et bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, un nouveau sujet sur notre chaîne YouTube. Alors, le Cayman GT4, vous connaissez, mais pas dans cette version, le tout dernier, le 718. Et on va parler échappement. On peut parler parfois échappement et performance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, même si on peut en avoir un petit peu plus, potentiellement, et vous allez savoir pourquoi, on ne va pas le mesurer. Ce n'est pas la demande du client. Ça pourrait être intéressant, mais ce sera peut-être l'occasion de le faire sur un autre projet, un autre véhicule. Allons voir ce qui se passe dessous. Et on peut observer un vilain FAP. Et c'est ce qui fait la demande du client, parce que... Alors on rigole parce que bon, mon côté sportif n'a pas l'air de convaincre notre caméraman, mais on va s'entraîner. Alors le FAP, c'est la seule partie de ce véhicule qui déplaît finalement à son propriétaire. C'est l'objectif, c'est la piste, mais là il y a la sonorité qui gâche un peu et on va bosser là-dessus. On va installer un échappement SCAR. C'est la toute première fois que nous allons monter un SCAR sur un 718 et surtout un GT4. Hein, vous le savez, c'est un petit peu le modèle le plus noble des Caïmans. Ah ouais, il y a vraiment des FAP, et on le savait, hein, mais il y a plusieurs modèles. Je voulais vérifier avant qu'on puisse attaquer le chantier parce que c'est étonnamment le cas chez Porsche, mais pour la même voiture, il y a parfois deux montages de fixation. On va vous montrer tout ça quand la voiture sera levée. On va d'abord vous présenter les pièces. On a une petite idée là dans ce court essai de la sonorité de la voiture. Échappement à valve d'origine, hein, comme toute GT3, GT4. Allez, regardons les pièces maintenant. Après cette période de météo un petit peu pluvieuse qui gâchait les essais routiers, et ben là on va profiter du soleil, on va déballer tout ça et on va finalement parler d'un GT4 différent. Hein. Regardez les vidéos précédentes, c'était hyper intéressant. Échappement Evox, échappement Dundon, on peut aussi monter plein d'autres marques, hein, que ce soit Krapovic. Et là, il y a quand même pas mal de SCAR de montée au garage. Ça brille. Ça résonne aussi. Deux petits éléments intéressants. Hein. Ça, c'est pour le FAP, c'est pour les contre-pressions. On va parler reprogrammation moteur. Mais attention, on ne parle pas de performance. On supprime juste la surveillance des FAP. On pose délicatement les pièces pour ne pas les abîmer. Et finalement, ensuite, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a monté sur un Boxster 981. À savoir que chez Porsche, on réutilise un petit peu souvent la même recette. On sent que cette voiture est un petit peu plus moderne, hein, parce que je découvre, hein, je n'avais pas déballé. Et ici, on a un capteur de température supplémentaire qu'on ne retrouvait pas sur les Porsche précédentes. Alors, capteur de température, hein, là, c'est pas pour régler la voiture, c'est clairement pour contrôler un petit peu le système de pollution. Même pas un petit peu, beaucoup. Deuxième silencieux, on a un de chaque côté. Ce sera plus parlant sur la voiture. Mais ce qu'on voit bien ici, c'est des valves. Alors, une valve pneumatique. J'ai hâte de démonter, hein, parce qu'il y a quand même des variantes. Et ce qui est étonnant, c'est que sur une Porsche, une 991 FAPE, on a des valves électriques. Ici, on a des valves pneumatiques. Et c'était pas du tout comme ça sur les précédentes, puisqu'il n'y avait pas de FAP, hein, on l'a dit. Et ben voilà, feu. On va regarder ces pièces de plus près, mais on a hâte d'entendre le avant-après. C'est le but de cette modif. Voilà, c'est en place et bien présenté. Alors c'est très simple, hein, on parlait de même recette chez Porsche. J'ai l'impression de revivre cette scène une seconde ou une troisième ou une quatrième fois, puisque c'était vraiment très similaire sur les 981 et on va le voir, puisque ce qui est intéressant au-delà de la modification, c'est que étant donné que c'est la première 718 GT4 qu'on vous propose et qu'on vous présente sur cette chaîne, et ben on va montrer un petit peu les différences entre les générations de Cayman GT4. «
Vraiment pas beau ça. Alors bon, ouais, rien à voir avec le contexte de cette vidéo, mais alors diesel ou voiture essence mal réglée, c'est quand même pas chouette. Parlons maintenant de la motorisation de ce 718 GT4, puisque là, c'est très, très noble. On est sur 4 litres de cylindrée, flat 6, bah, comme toutes les Porsche, les vrais. Et on a une petite évolution par rapport au précédent, qui était lui en 3 litres 8. C'est pas le même moteur, c'est un tout petit peu plus performant, mais en tout cas, à la conduite, c'est vraiment cool. Même si on sent que peut-être, la légende le dit, pour ne pas faire d'ombre, à la 991, à la 911, eh bien, ça pousserait un petit peu moins. Ça se ressent un petit peu, peut-être aussi à cause des FAP. C'est vrai que c'est un sentiment que j'ai assez souvent remarqué, cette différence de puissance. Alors, on va parler de ce sentiment, hein, sur le banc, c'est différent. Sur cette voiture, boîte manuelle obligatoire. On aurait pu imaginer que cette génération de 718, comme ses homologues en version S, GTS, serait passé en turbo, et pas du tout. Et en fait, derrière, on a aussi le GT4 RS. Un jour, on vous présentera cette voiture, on croise les doigts. À l'intérieur, on se retrouve vraiment dans une 981, la version précédente. Et je dois dire que j'aime beaucoup cette version, comme la 991 phase 2. C'est pour moi une des plus abouties. On n'a pas le côté moderne des écrans partout. On a bien les trois compteurs à aiguille. Une finition en alcantara, en cuir, des surpiqûres. Extérieurement, elle est plutôt simple. Intérieurement, c'est rouge et noir et blanc et très simple, pas de carbone. Belle voiture. On a un bouton qui apparaît ici sur la console centrale. L'auto-blip, c'est bizarrement dit comme ça chez Porsche, mais c'est ce qui fait le talon-pointe à votre place. J'en parlais déjà sur les 981. C'est un petit peu dommage d'avoir une voiture noble, une voiture... voilà, avec une vraie boîte de vitesse et des pédales activées pour pouvoir les passer. Et ensuite, faire le talon pointe à notre place. C'est comme ça. Une sangle, on la retrouve beaucoup, mais je trouve ça vraiment, vraiment trop bien d'actionner la porte en tirant sur cette sangle rouge, qui va superbement bien avec les harnais, qui pour moi ne sont pas les harnais d'origine. Alors, c'est subtil, mais je pense que ça a été monté après. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'arceau de cette voiture, qui n'est pas un arceau Porsche non plus. Un arceau de seconde monte, une marque comme plein de pièces, en fait, comme les échappements. Ça vient pas de chez Porsche, alors c'est bizarre, une configuration aussi racing, sans arceau, sans harnais. Mais pourquoi pas. En tout cas, maintenant, c'est présent. Et les sièges, c'est trop beau. Ce silencieux, enfin cette paire de silencieux, on va les installer ici. Alors c'est assez visuel, on vous montre ça après. Ah, le vilain FAP, et après, sinon c'est tout pareil que le reste. Parce que vraiment, le FAP est situé sur la partie arrière. Et en fait, quand on aura enlevé ça, on va se rendre compte que jusqu'ici, c'est plutôt stock. Ça ressemble beaucoup à une 991, on va aller voir devant. Et j'ai l'impression que les évolutions sont subtiles et surtout pas mal esthétiques, parce que la voiture à l'extérieur, elle est plutôt différente, à l'intérieur, elle est plutôt similaire, et il y a plein de choses comme ça qui ont été rajoutées, comme certaines 991. On sent vraiment que ça a évolué au niveau de l'aéro ici, du passage de roue, à l'arrière, au niveau du soubassement. Les bras, clairement, fusés, c'est de la 91, les freins aussi, les amortisseurs aussi. Pas grand chose qui change finalement. On a un gros diffuseur. On a là également aussi des petites écopes qui ramènent du frais, de l'air dans la roue, notamment pour les freins. Et c'est sûrement un petit peu plus subtilement caché, mais voilà, la soupe Porsche, elle fonctionne bien. La recette Porsche fonctionne bien. Donc on continue. Maintenant, on va regarder ça de plus près, ce qui nous intéresse. Qui dit vilain FAP dit vilain capteur, et c'est ce qui nous oblige à reprogrammer la voiture, puisqu'ici on a le capteur de contre-pression. Donc on a en amont, enfin avant le FAP, enfin ça dépend dans quel sens on se situe, en gros les gaz viennent d'ici, ça rentre dans le FAP, ils ressortent ici dépollués. Donc on a un autre capteur ici, et de prise de mesure, c'est là que la pression passe, et en haut on a le capteur qui lui est relié électriquement au faisceau de la voiture. À noter que ce qu'on voit passer tout au loin derrière, ici, c'est ce qui va alimenter le côté pneumatique des valves
Donc on est tout bon. Aux questions qui vont être posées, on anticipe un petit peu. Ça conserve évidemment le PSE avec les valves d'origine. On est homologué puisqu'on ne supprime pas les catalyseurs, donc on passe à la pollution, on passe au contrôle technique. Et côté sonore, ça va être différent. On attend de voir, mais ce ne sera pas non plus extravagant. Pas d'inquiétude pour aller sur circuit, notamment. Waouh. Grosse évolution de diffuseur tout de même. C'est quand même... ça va être encore du poids de gagner. Mais c'est vrai que côté aéro, c'est plutôt sympa. Là, on se rend bien compte de l'impact de ces ailettes qui ne sont pas qu'esthétiques. Comment on va faire plus de bruit? Ici, en supprimant les FAP, avec un gain de performance seulement lié à ça et pas à autre chose. Et puis, ce côté central de la gamelle qui me paraît quand même assez imposant. Hop là, on arrive, on présente. C'est quand même beaucoup moins volumineux. Ouais, c'est vraiment différent. Va falloir s'en rendre compte. Ça communique quand même via ce tube. Mais bon, il faut se dire que ce tube ici est en fait un peu comme une gamelle centrale. Et les deux silencieux latéraux deviennent vraiment... ça devient vraiment des silencieux qui communiquent, mais séparés. Ça ne veut rien dire, ça. Si, physiquement. Il y en a deux. Mais ouais, parce que bon, c'est un petit peu... Enfin, je vous explique assez mal, mais quand on va descendre cette partie, elle sera d'un seul tenant. On ne pourra pas la désolidariser. Par contre, j'ai hâte de démonter ça pour y mettre ça. On ne va pas en démonter plus que nécessaire, mais ici, on distingue le collecteur qui sort un petit peu. Il y a un endroit où ça permet de ventiler tout ça, puisque les collecteurs d'échappement, ça chauffe beaucoup. Le catalyseur se situe juste à la sortie de ces collecteurs. Et on va se brancher tout simplement à la sortie de ces catas. Et on va venir brancher physiquement le capteur de contre-pression qui est ici. Et on va supprimer cette partie arrière. Donc ça va être intéressant et physiquement et esthétiquement, je veux dire, même si on s'en fiche, on ne voit pas le dessous de la voiture, ça va paraître quand même beaucoup plus mécanique que cette gamelle. Ce FAP, pas beau. Les vilains FAP sont démontés et ça va chanter bien plus fort. Le système de valve est conservé. Et voilà. En plus, ça va être beaucoup plus léger. Alors, visuellement, c'est beaucoup plus léger également. On va aller de suite essayer tout ça. À nous, la sonorité et les quelques chevaux supplémentaires. Le silencieux d'origine, c'était un petit peu compliqué de vous montrer ça. Là, c'est plus parlant, c'est vraiment en un seul tenant, d'un seul morceau. Et c'est bien plus lourd, à mon avis, que les pièces de chez Scar qui sont en place. Ces deux morceaux, on n'en parle plus. Ouah. Mais je tiens quand même à vous les montrer. Parfois, dans les commentaires, vous nous demandez à avoir les pièces d'origine et les pièces pimpées en parallèle pour pouvoir voir la différence. C'est pas toujours facile de maîtriser ça sur le côté timing et le chantier. Mais en tout cas, vous avez vu les pièces avant et vous voyez les anciennes maintenant. À savoir une chose hyper importante, si vous décidez de venir chez nous pour changer ces downpipes, alors c'est pas vraiment des downpipes, hein, on n'est pas en sortie downpipe, c'est plutôt pour un modèle turbo. Ces tubes de liaison FAPés, on peut les remplacer tout simplement. On n'est pas obligé de changer le silencieux arrière. C'est possible. Donc là, si on va essayer la voiture et que vous trouvez la sonorité un petit peu trop importante pour vous, on a une solution intermédiaire. On remplace simplement ces deux tubes et on reprogramme la voiture pour qu'elle n'ait pas la remontée de code défaut liée à la suppression des FAP à cause de tous les capteurs qui sont présents ici. Si.
essayé cette voiture et on va faire une petite parenthèse. Je ne veux aucun commentaire concernant la qualité de cette vidéo à partir de maintenant. On vient de casser une caméra et de perdre la deuxième. Ce qui fait que bah, on va le faire un petit peu à la volée puisqu'on veut absolument la terminer et partager ça avec vous. L'autoblip est en route. Alors, talon pointe, made in la voiture. C'est pas vos pieds qui le font. Le PSE, les valves sont ouvertes. Allons essayer cette merveilleuse voiture qui est forcément un GT4, tout comme un GT3 et comme beaucoup de Porsche. Les valves sont fermées. On accélère, le son est bien plus présent. Mais c'est pas déconnant. Alors 3-4 000 tours, je peux en prendre plus, mais c'est pas vraiment le but puisque si on a les valves fermées, c'est pour être discret. Donc c'est pour rouler à allure modérée sur la route sans avoir les oreilles cassées. Ensuite, on va appuyer sur le bouton. Je vais essayer de descendre la deuxième. L'autoblip, il marche vraiment bien. Et voilà, on a du son. Et la petite surprise, qui pour moi n'en est pas une, puisque ça fait deux fois qu'on recommence le boulot, et vous voyez, je regarde partout comme si j'allais retrouver la caméra qu'on vient de perdre, et ben ça marche plus fort. C'est dur, hein, puisque on n'a pas, on va pas le mesurer, puisque c'est la demande du client, on aurait pu la passer au banc avant, après, mais il y a parfois une question de budget, et il y a aussi cet outil de mesure qui est le passage au banc, qui peut parfois effrayer un petit peu les gens. Bon, peu importe la raison, on aura sûrement l'occasion de préparer une autre voiture et de vérifier ses performances, mais très clairement, passé 5000 tours, il se passe quelque chose. Avant, si on sentait que la voiture était freinée et mollassonne, là, elle a vraiment beaucoup d'engouement et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Nous n'avons pas beaucoup abordé le côté châssis de cette voiture puisqu'il n'est pas très différent des autres. On l'a regardé, des précédentes, on ne l'a pas modifié. On va parler simplement de cette modification d'échappement, un budget contenu, puisque ça c'est important, la question revient quand même souvent. On est aux alentours de 3 500 € pour l'échappement, on est à peu près à 300 € pour la suppression électronique de la surveillance du FAP, on va parler de la reprogrammation moteur vulgairement, et il faut compter à peu près 4-5 heures d'installation de l'échappement. Donc 4 500 €, c'est globalement le budget qu'il faut pour faire cette modification. Tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait simplement modifier supprimer les FAP en fait, hein, physiquement sur la voiture, et on peut aussi en faire beaucoup plus. Une prépa d'undone va être bien plus chère, une prépa est bien plus performante, une prépa Accra par exemple va être à peu près similaire mais plus qualitative, on va dire. Et puis après on a Evox qui se situe un peu comme Scar dans les mêmes prix avec une conception, une fabrication différente. En tout cas Scar c'est français, donc pourquoi pas. J'espère que ça vous a plu. Cette voiture marche plus fort, j'en ai le sentiment. Un jour, on aura sûrement l'occasion de refaire ce genre de prépa avec un essai sur banc. Et voilà, Kenavo, à bientôt.